Okay, so now Area 51, this would be a government installation stockpiling aliens. La zone 51 a servi de point central à une conspiration pendant de nombreuses années, centrée autour de preuves présumées que la vie extraterrestre, y compris une technologie avancée, existe et est dissimulée dans ses limites. L'armée des États-Unis a nié son existence pendant des décennies. Pourtant, la base est opérationnelle depuis 1955 sous divers noms de code. L'imagination du public américain a été en ébullition avec des théories conspirationnistes sur la véritable nature du site depuis longtemps. Des livres, des séries télévisées et même des assauts d'envergure sur Internet ont tenté de regarder au-delà de ces avertissements sinistres et de nous mettre en garde contre ces dangers. De certaines manières, la zone 51, en tant que l'installation secrète la plus célèbre au monde, est une contradiction vivante et respirante. Bien qu'elle ait servi de base à plusieurs livres, séries télévisées et films à gros budget, a-t-elle jamais été vraiment secrète? Pour la première fois, des informations fraîches sur la base, y compris sa véritable teneur, ont été révélées par Neil deGrasse Tyson. Est-ce un endroit où les extraterrestres et les OVNI sont cachés par le gouvernement américain? Ou est-ce simplement une installation militaire terne? Mais pourquoi le gouvernement américain serait-il tellement fixé sur le fait de garder secrète les détails d'une base militaire sans intérêt? Venez avec nous, alors que nous découvrons le mystère de la zone 51 tel que Neil deGrasse Tyson l'explique. Et voyez par vous-même pourquoi tout cela fait fureur sur le web en ce moment. L'une des locations les plus clandestines du monde est la sinistre station militaire au Nevada. L'installation de la zone 51 au Nevada a toujours été entourée de mystères. Un chemin sablonneux et non marqué mène à la porte d'entrée de la zone 51 au milieu du désert désolé du Nevada. Les seules choses qui la protègent sont une barrière, une clôture en maillon de chêne et des panneaux d'intrusion menaçants. Il semblerait que l'installation militaire, hautement classifiée de l'Amérique, serait plus étroitement surveillée. Mais en réalité, ils la surveillent avec précaution. Tout le monde qui a jamais effectué un test en périphérie de la zone 51 est conscient des caméras de sécurité, des capteurs cachés, des hélicoptères armés, des patrouilles en camouflage et des panneaux d'avertissement. Les caméras au-delà de la porte captent chaque angle. Un véhicule de pick-up blanc avec un pare-brise teinté se perche sur une montagne éloignée, regardant tout en bas. Selon les habitants, la base est consciente de chaque lièvre à queue noire et de chaque tortue du désert qui franchit la barrière. Certains disent que la route d'approche a des capteurs intégrés. Des rumeurs infondées sur ce qui se passe précisément dans la zone 51 circulent depuis des décennies. Bien sûr, il y a des conspirations sur les extraterrestres de l'espace qui auraient des visiteurs interstellaires cachés quelque part. Selon l'une des histoires les plus colorées, les débris de l'accident de Roswell de 1947, de renommée mondiale, se trouvent toujours sur la propriété de la zone 51. L'accident a en réalité été causé par un avion soviétique piloté par des nains déformés. Certaines personnes pensent même que l'un des hangars de la base est l'endroit où le gouvernement américain a enregistré l'atterrissage sur la Lune en 1969. Malgré tous les mythes et les récits, la zone 51 est bien réelle et toujours en activité. Il se passe quelque chose là-bas, et seules quelques personnes savent ce qui se passe le long de cette route du Nevada, soigneusement surveillée et balayée par le vent. La construction de l'avion de reconnaissance U-2 est directement liée à la création de la zone 51. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a abaissé le rideau de fer entourant le bloc de l'Est et elle-même, coupant ainsi toute intelligence extérieure. L'intention du Kremlin d'étendre agressivement son pouvoir est devenue évidente lorsqu'il a soutenu l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 1950. À peine 10 ans après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, l'Amérique s'inquiétait des capacités, des intentions et de la technologie de l'URSS pour mener une frappe inattendue. Au début des années 1950,
la marine américaine et l'US Air Force ont envoyé des avions de reconnaissance au-dessus de l'URSS à basse altitude. Mais ils étaient toujours en danger d'être abattus. Le président Eisenhower a donné son feu vert en novembre 1954 pour le programme U-2, qui visait à construire un avion de surveillance à haute altitude en secret. Identifier un site secret et éloigné pour les tests et l'entraînement a été l'une des premières tâches. Ils l'ont découvert près du lac Groom, un plateau de sel qui était autrefois un champ de tir aérien du corps aérien de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'emplacement se trouve dans le désert du Nevada, au sud. Ce lieu isolé a été transformé en une nouvelle installation militaire top secrète. L'ingénieur en chef du U-2, Kelly Johnson, a donné au projet un nom plus attrayant, Paradise Ranch, dans le but d'attirer les gens. C'était loin d'être un paradis. Paradise Ranch est devenu The Ranch, puis Red Square ou The Box, CE qui faisait référence à la zone d'interdiction de volume autour de la base. Plusieurs autres noms sont apparus au fil des décennies. Le temps des fêtes, ailleurs, plaque de base, aéroport familial et le site. De nombreuses autres alternatives, comme Dreamland, qui est dérivé d'un indicatif d'appel de tour, est peut-être le plus agréable de tous. La CIA a dissimulé ce qui s'est passé à Groom Lake à travers des histoires de couverture, qui sont essentiellement des mensonges. C'était prétendument une station météorologique de la NASA au début, puis plus tard, une installation de recherche en énergie atomique, mais tout au long du processus, la CIA créait les outils et équipements d'espionnage les plus avancés, ce qui a permis aux États-Unis de remporter la guerre froide. Lorsque le Congrès et deux présidents ont pris connaissance des méfaits de la CIA dans les années 1970, Washington, D.C. a réalisé brusquement que la CIA ne pouvait plus fonctionner dans le pays, Station D a été fermée et l'autorité américaine a été reprise par l'armée de l'air. Un tollé public a éclaté au milieu des années 1980 lorsque 89 000 acres de terre publique entourant Groom Lake ont été pris par l'armée de l'air. L'utilisation par la CIA de l'espionnage aérien a débuté à la zone 51. C'est également l'endroit où a été construit le premier avion espion U-2 dans les années 1950, ainsi que l'endroit où la communauté du renseignement collabore sur des plateformes d'espionnage avec d'autres parties et alliés militaires. De plus, c'est un endroit où de nombreux membres de la communauté du renseignement collaborent sur certains des projets les plus secrets du département de la Défense. De plus, il y a une section de la zone 51 où la CIA offre une formation contre le terrorisme à ses partenaires paramilitaires internationaux. Ils mènent cette activité dans les étendues de la zone 51 afin d'attirer des combattants étrangers qui ne seraient autrement pas autorisés à entrer dans le pays. Ainsi, ni les combattants, ni le grand public américain ne sauraient où ils se trouvaient, ni ce qui se passait, lorsque les États-Unis les faisaient monter dans un avion avec les fenêtres baissées, les déposaient et les formaient. Sans l'existence de la zone 51, nous n'aurions pas la technologie incroyable d'espionnage aérien que nous avons aujourd'hui. Cela a rendu possible pour les diverses branches du gouvernement fédéral d'enquêter sur la technologie dans un espace ouvert beaucoup plus vaste qu'elles n'auraient pu le faire. À 500 miles par heure et à 70 000 pieds d'altitude, l'avion d'espionnage, U-2, voyageait. Considérez la quantité de travail nécessaire pour créer quelque chose de semblable à cet avion extrêmement délicat. Des pilotes ont perdu la vie en le testant. Mais cela a appris aux autorités que des innovations radicales pourraient être réalisées grâce à cet incroyable effort de test. Lorsque les tests de l'U-2 ont commencé en juillet 1955, les rapports de l'observation d'objets volants inexpliqués ont commencé à affluer. Des pilotes de lignes commerciales qui n'avaient jamais vu d'avion voler à de telles altitudes que le U-2 ont signalé plusieurs de ces rencontres. Au milieu des années 1950, les compagnies aériennes volaient à des altitudes entre 3000 et 6000 mètres, alors que les avions modernes peuvent monter jusqu'à 13 500 mètres. Certaines personnes pensaient que le volume habité ne pouvait pas atteindre des altitudes supérieures à 12 000 mètres, étant donné que les avions militaires connus pouvaient atteindre ce niveau. Bien que les activités du U-2 aient pris fin à la fin des années 1950, la zone 51 était toujours utilisée pour les tests d'avions militaires top secret. Le désert du Nevada
a été utilisé pour le développement et les tests de divers avions furtifs, y compris le F-17 17A, le Tacit Blue et le Bird of Prey, en plus du A-12. Des documents déclassifiés supplémentaires révèlent l'implication de la Zone 51 dans le projet Half Donut, un effort dans les années 1970 visant à examiner les MiG soviétiques acquis secrètement. Le président Obama a utilisé le terme « Zone 51 » pour la première fois en public lors d'un événement de remise de prix au Kennedy Center. Et ce faisant, le terme « Zone 51 » a été effectivement déclassifié. Ils sont toujours en l'air. Les circonstances inhabituelles entourant la mort d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air en septembre 2017 demeurent floues, car le Pentagone a tardé à identifier l'avion impliqué dans le crash dans le Nevada. Il semble qu'il pilotait très probablement un avion étranger acquis par les États-Unis. Pourquoi cet endroit est-il devenu un centre de formation et de technologie en matière d'espionnage? Est-ce uniquement sa taille et son éloignement? Lorsque l'installation a été créée au début des années 1950, le président Eisenhower a confié à un agent de la CIA nommé Richard Bissell la mission de trouver l'endroit le plus caché et isolé du pays où il pourrait faire fonctionner l'avion espion U-2 sans être vu par les yeux soviétiques ou autrement curieux. Puis, avec des manœuvres de volume astucieuses, avec un collègue officier de la CIA, Bissell a découvert la solution idéale à la demande du président. Une base secrète située à l'intérieur d'un bâtiment déjà classifié au milieu du Nevada, centré sur un lit de lac sec où le gouvernement faisait exploser des armes nucléaires. Bissell en vint à réaliser qu'il n'y avait aucune chance pour quiconque d'essayer d'entrer dans cette institution. Pourquoi le voudrait-il? Des bombes explosaient. La zone 51 dégage le secret à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement l'emplacement. Les employés sont élevés dans une société très fermée où le partage d'informations est mal vu. Alors comment l'histoire des ovnis et des extraterrestres a-t-elle pu émerger? Le Reno Evening Gazette publia un article intitulé « Plus d'objets volants aperçus dans le ciel de Clark » le 17 juin 1959. L'article détaillait comment plusieurs habitants, dont le sergent Wayne Anderson du département du shérif, avaient vu ce que le journal décrivait comme un objet d'un vert vif et descendant vers la Terre à une vitesse trop grande pour être un avion. En 1989, les théories du complot extraterrestre ont pris de l'ampleur après que Bob Lazar ait déclaré lors d'une interview locale à Las Vegas qu'il avait vu des extraterrestres et avait participé à l'ingénierie inversée de vaisseaux spatiaux extraterrestres lorsqu'il travaillait à la base. Sur le site militaire sécurisé, il prétend avoir vu 9 vaisseaux spatiaux extraterrestres. J'ai donné des noms d'échantillons à tout. Il y a le moule en gélatine et celui en haut de forme. Rien n'a mal tourné du tout avec le fonctionnement du modèle sportif. Si je comprends bien, il semblait être une soucoupe volante flambant neuve, remarqua Lazar. L'un d'entre eux semblait avoir été frappé par un missile de quelque sorte. Il y avait 2 énormes trous en lui, un en bas et l'autre en haut. Le métal était plié vers l'extérieur, donnant l'impression qu'un projectile d'environ 10 ou 12 cm de diamètre l'avait traversé. Lazar prétendait avoir eu le pressentiment que le vaisseau spatial provenait d'un autre endroit même avant d'assister à l'action du modèle sportif. La première fois qu'il a vu l'intérieur du disque, la réalité l'a frappé en plein visage. « J'ai eu l'occasion de regarder à l'intérieur, et il y avait des chaises vraiment petites. Et je pense que c'était la première confirmation que j'avais que c'était juste une chose choquante, parce qu'à chaque fois, avant cela, j'étais capable de le qualifier. Eh bien, c'est juste un peu avancé qu'un groupe de scientifiques avait formé, et vous savez qu'ils le gardent secret, et ouais, on aurait pu avoir la grande soucoupe comme ça. C'est pas un problème. Et vous savez, on aurait pu adapter ça pour le faire voler. Mais pourquoi y a-t-il des petits meubles à l'intérieur? Essentiellement, des petits sièges, dit Lazar. Lazar ajouta qu'il avait vu un volume d'essai. Le bas brillait en bleu et commençait à siffler, comme le fait le courant à haute tension sur une sphère ronde. J'ai l'impression que la raison pour laquelle ils sont ronds et n'ont pas de bord tranchant est de contenir la haute tension. Comme si vous avez vu sur les systèmes à haute tension, les isolateurs, les choses sont rondes, sinon vous obtenez une décharge corona. Dans les deux CA, il a commencé à siffler, comme à haute tension. Et il s'est élevé silencieusement du sol, sauf avec ce petit sifflement en arrière-plan.
et puis cela s'est arrêté dès qu'il a atteint environ 6 à 9 mètres, dit Lazare. Selon Lazare, le modèle sportif n'a été soumis qu'à un bref test au cours duquel il s'est déplacé quelques fois avant de se poser à nouveau. Même s'il ne pouvait pas voir qui pilotait réellement l'engin, il était toujours très émerveillé. Les disques volants ne sont pas utilisés, autant que Lazare sache, pour des voyages vers Jupiter ou quelque chose de similaire. Il prétend que sa frustration provenait principalement de la lenteur glaciale du programme, due à une excessive prudence et à un secret intense. Lazare était sous pression de l'armée, comme en témoigne son ami proche Gene Huff, qui a déclaré « Eh bien, il restait discret, et s'il me tenait au courant de quelque chose, c'était des vérifications de sécurité. Il venait chez lui de manière aléatoire, ils menacèrent sa femme, ils menacèrent la vie de sa femme, ils avaient refait tout ça, donc nous ne parlions vraiment pas. Je veux dire, ils suivaient vraiment le programme. » Lazare veut que tout le monde comprenne qu'il n'a pas sauté pour révéler tous les secrets de l'univers et que certaines informations sont mieux gardées secrètes. Bien qu'il soit le seul à l'affirmer ouvertement, Bob Lazare n'est pas le seul à prétendre avoir une connaissance de première main des disques volants sur le site d'essai. Un professionnel de Las Vegas qui était posté sur le site d'essai pendant son service militaire prétend avoir vu un disque volant atterrir à l'extérieur de la zone 51. Des gardes de sécurité l'ont encerclé en quelques minutes et il a été emmené et soumis à un long débriefing. Un ancien technicien de Groom Lake a écrit une lettre décrivant comment, par erreur, il est entré dans le mauvais hangar et a découvert ce qui semblait être un énorme disque métallique recouvert d'une bâche. Des hommes en blouse de laboratoire l'examinaient. De plus, au cours de 5 nuits, un aviateur travaillant dans une installation radar à Nellis prétend avoir vu, avec ses collègues militaires, d'étranges objets volants au-dessus des montagnes de Groom. « Rien de ce que nous avons, affirme-t-il, ne peut accomplir ce que montrent les photographies radar, montrant les objets fonçant à une vitesse de 7000 miles par heure avant de s'arrêter brusquement. » Selon l'aviateur, il a reçu l'ordre d'éteindre ses capteurs radar dans la région et de garder le silence à propos de l'observation, car il n'était censé n'y avoir jamais eu de tels événements lorsque la nouvelle s'en est répandue. Rien ici ne suggère que l'armée opère des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans le désert du Nevada. Ces observations pourraient plutôt être liées à une autre initiative secrète. Lazare affirme catégoriquement que ce n'est pas le cas, alors que d'autres ont déjà classé cela comme de la fiction. Le docteur Jeffrey T. Richardson, membre émérite de l'Archive nationale de sécurité de l'Université George Washington, a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information en 2005 pour obtenir des détails sur le programme de reconnaissance de l'avion Lockheed U-2 de la CIA, qui impliquait la construction secrète et les tests d'avions espions utilisés pour la collecte de renseignements. Cela a conduit à la découverte publique de la zone 51 en août 2013. Des documents détaillant le développement du U-2 et de l'A-12 Oxcart, ainsi que la base militaire dans le Nevada où ils ont été testés, ont été déclassifiés en réponse à la demande. Il n'y avait certainement, comme on pouvait s'y attendre, aucune discussion sur les petits hommes verts ici, a déclaré Richardson, décédé en 2017, au New York Times, en 2013. Il s'agit d'une chronique du passé du U-2. Le seul point commun entre ces deux sujets est l'idée que les rencontres d'OVNI étaient causées par des avions volant à haute altitude, comme les U-2. Même de nos jours, l'utilisation de la zone 51 reste élevée. Google Earth montre que la construction et l'expansion sont des activités constantes. Très tôt le matin, les curieux peuvent souvent voir des lumières inexpliquées se déplacer horizontalement à travers le ciel. Très peu de gens connaissent l'état actuel des affaires de l'installation militaire la plus secrète d'Amérique. Certaines des meilleures estimations de Merlin incluent des choses comme une technologie furtive améliorée, des armes de pointe, des systèmes de guerre électroniques et des véhicules aériens sans pilote, des avions secrets, des transmissions radio, des armes utilisant l'énergie dirigée et des lasers pourraient tous être en développement sur le site. Même si les légendes concernant la zone 51 sont totalement inventées, les curieux continueront de chercher à percer les mystères. En fin de compte,
C'est dans la nature humaine de désirer connaître les détails d'un secret ou d'un sujet tabou. Cependant, il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l'organisation d'un voyage vers la zone 51. Le désert peut être à la fois très chaud et très froid, alors prévoyez beaucoup de boissons, de la nourriture et des vêtements appropriés. Ne comptez pas sur la couverture réseau ou un GPS pour vous guider, apportez plutôt des cartes papier et des indications. Il n'y a pas beaucoup d'options pour le ravitaillement en carburant, alors assurez-vous d'avoir de l'essence et des pneus supplémentaires. N'oubliez pas que regarder la zone 51 n'est pas quelque chose que le gouvernement veut vraiment que vous fassiez. De plus, des allusions à la zone 51 se sont glissées dans la culture populaire, apparaissant dans des films tels que Paul et Independence Day. Le film un peu moins célèbre sorti directement en vidéo, Scooby-Doo et les envahisseurs de l'espace, ainsi que des épisodes de la quatrième dimension et X-Files, ont également été influencés par cela. Dans la mesure de notre connaissance, les années 1950 et 1970 étaient essentiellement consacrées au développement d'avions sophistiqués pour l'espionnage. Cependant, ce qui s'est déroulé au cours des années 1990, 2000 et surtout depuis la guerre contre le terrorisme devient assez énigmatique. Nous ne savons vraiment rien à ce sujet. Bien que ce soit un secret bien gardé, vous pouvez être sûr que CE, qui est en cours de développement et de test, a évolué à partir de systèmes technologiques précédents. Nous savons que la base est toujours active, même si certains prétendent le contraire. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes sur l'espace.